retrouve pour une vidéo unboxing. Je viens tout juste de recevoir un colis de AliExpress du même vendeur. Donc je serais incapable de vous dire le nom du vendeur parce que c'est un vendeur avec un nom à rallonge. Donc ce que je ferai, c'est que je vous mettrai le lien en barre d'infos du vendeur et d'étoiles si jamais l'étoile vous intéresse. Donc comme vous pouvez voir, hein, c'est très bien emballé, très bien protégé. On sent que il y a le paquet niveau protection de, vous savez, les bulles. Protection bulle. Donc on va ouvrir ça et découvrir, parce que là c'est tout nouveau, c'est la seule toile que j'ai acheté dans ce style là c'était une 40 par 60. Je vous l'avais montré, c'était dans mon porte-vue, c'était La Belle et la Bête. Mais le résultat était pas terrible, terrible. Donc je ne l'ai pas encadré. Et du coup, je me suis dit... je me suis laissé tenter par... pour recommander des toiles Disney. Parce que j'en ai pas d'étoiles Disney, en fait. J'en ai pas du tout. J'ai pris des petites. Donc, vous voyez, c'est... les toiles, elles sont super bien protégées. Il y a vraiment le paquet là, hein. Niveau bulle. C'est top. Alors, on va sortir une première au pif. Si j'arrive à la sortir. C'est tellement bien emballé qu'on ne peut même pas les sortir. Hop. Déjà sortir la première. Alors ce sera que des 30 par 40 qui en réalité font 24 par 34 au niveau de l'image, mais je le savais hein, quand je les ai commandés, c'était spécifié dans les descriptions, donc il n'y a pas de surprise, j'ai même pas besoin de mesurer hein. C'est pas la peine. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai pris le petit Stitch. Je commence de plus en plus à craquer pour Stitch, je sais pas pourquoi. J'aime bien cette petite bête. J'aime bien sa tête. Alors, dedans, il y a la feuille. Ah, j'adore parce que la feuille de route, il devait plus. À mon avis, il devait plus avoir de couleur dans leur imprimante parce que tout est rose. Ou alors ils se sont trompés, je sais pas. Parce qu'on voit là que au niveau de l'encre, il y a eu un petit cafouillis. Donc il est pas mal en rose aussi. Donc il existe peut-être en rose. Je sais pas. En tout cas, il y a la feuille de route. Et il y a 19 couleurs. Ah oui, 19 couleurs. Ah ça c'est top. Par contre du coup... on voit un peu plus les couleurs là. Alors, on va regarder tout de suite si ça colle. Impeccable. Oula, si je le remets mal. Voilà. Le petit kit. Et c'est des sachets. Alors attendez, je vais faire ça un peu plus loin. Voilà. J'ai pas envie de vous détruire les oreilles.
Alors par contre ça c'est pas pratique pour vous montrer, ça m'embête. Je vais vous montrer quelques couleurs comme ça en vrac. Donc il y a un très beau rose, un autre rose plus foncé. Du violet, mauve. Il y a plusieurs styles de rose. C'est ce qui m'a plu dans cette toile, c'est qu'en fait on a plusieurs variants de rose et plusieurs variants de violet. Vous allez savoir maintenant que c'est un peu mes couleurs chouchou, même si j'aime aussi d'autres couleurs. Tant que c'est des couleurs qui flashent un peu. Ça, c'est deux bleus différents. On voit un petit peu. Et encore deux autres bleus. Un bleu ciel et un bleu un peu plus foncé. Il y a quelques verts, un jaune et du gris. Sinon, il y a du bleu marine. Un rose, rose rouge on va dire, orange et du noir. Donc c'est des diamants ronds, j'ai pris que en diamants ronds. J'essaye de changer un peu parce qu'avant dès que je commandais une toile pleine c'était systématiquement du diamant carré. Et j'essaye de changer un peu, de varier. Arrêtez de prendre tout le temps du carré, carré, carré. Même si j'adore le carré. Hein. J'adore la pose du carré. Et voilà pour cette première toile. Elle est super jolie. Elle va être vraiment agréable à faire, ça c'est sûr et certain. Voilà. Il y en a une surtout que j'ai hâte d'ouvrir. Avec la chance que j'ai, je vais l'ouvrir en dernier, c'est sûr. Hop. Enfin, après, je les aime toutes, hein, mais sinon je les aurais pas commandées. Mais il y en a une en particulier. Alors, la deuxième. Hop. Et hop. Je pense que vous voyez bien. Il s'agit de Catwoman. J'ai été super contente quand je l'ai vue sur le site. Donc oui, apparemment ils ont eu un problème d'imprimante hein, parce que là c'est encore pas, enfin du coup c'est pas la même couleur. Alors du coup, bon là au niveau des couleurs, beaucoup de noir forcément, mais bon ça me dérange pas hein, parce que le rendu va certainement être très joli. On voit la silhouette d'un chat ici. Et ici, on voit Catwoman accroupie avec un chat. Voilà, donc au niveau des couleurs, je vais ouvrir. Ah.
paquet. J'allais dire pas de surprise pour le noir, mais si, un peu de surprise quand même. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de noir. Donc là, je vais vous montrer juste les violets. Voilà. Je vais ouvrir un peu plus mon rideau parce que... Voilà. C'est un peu mieux peut-être. Voilà. Donc du violet, des roses, mais là c'est pas les mêmes roses que dans Stitch, c'est du violet rose. C'est pas encore les mêmes. On a du blanc, c'est même pas du blanc, 3865, je sais plus si c'est du blanc ou si c'est... du crème. Ça ressemble à du blanc, mais bon. Il y a du gris. Et sinon, des verts. Je sais pas comment ils s'appellent, ces verts-là. C'est des verts assez pâles. Donc, celle-ci, elle a 16 couleurs. Donc la petite Catwoman ou la grande Catwoman. Voilà pour celle-là. Donc le kit, hein, je les montre pas à chaque fois, ça sert à rien, il y en a un. En plus c'est le même vendeur, donc il n'y a pas de surprise. Alors, la petite troisième. Ah oui. Celle-ci, je l'adore aussi. Oh, les couleurs, elles sont géniales. Le kit. J'ai dit à chaque fois, je le montre pas, mais je le montre à chaque fois quand même. Regardez-moi, celui-ci, il est trop beau. J'adore Scar. J'adore Simba et son père, comment il s'appelle? Mufasa. Mais Scar, il a un charisme que j'adore. Et les couleurs, elles sont vraiment trop trop belles, quoi. J'ai bien fait de le prendre. 21 couleurs. Ah, je suis contente parce qu'il y a plein de couleurs, quoi. Je m'attendais à ce qu'il y ait quoi, 15 couleurs par toile. Et en fait, c'est vraiment des toiles qui ont beaucoup de couleurs. Et regardez ça. Que des couleurs orange, rose, rouge. Alors, je l'ouvre de mon côté. Un peu des bordeaux, du jaune, du orange, du bleu, du vert. Ça doit être du bleu marine, non? 939, oui, c'est un espèce de bleu très 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 foncé. Alors, regardez le orange là, il pète quoi. Ça, c'est un sacré orange. Ça, vous voyez, c'est des couleurs que j'adore poser, quoi. C'est... ça aussi, ça fait un couleur corail un peu.
Ça, c'est couleur crème encore. C'est du blanc cassé. Du 310. Du marron et du ocre. Les diamants ont l'air très bien taillés, en tout cas, à vue de nez comme ça. Encore du corail, du rose, orange. Un petit peu rouge, rouge-rose. Du gris clair et du gris foncé. Ça, c'est du gris chaud, ça. Des beaux bleus. Un petit dégradé. Encore du orange. Ça, c'est du orange un peu pâle, mais qui flash un peu quand même. Et du rose. 956. Il est trop beau. Hein. Va vraiment falloir que je me dépêche de finir mon éléphant. Donc là, il est encore pas de la même couleur, mais bon, ça s'en rapproche malgré qu'il y a encore le défaut d'encre. Je sais pas ce qui s'est passé dans leur imprimante. Mais bon, c'est pas très important. Apparemment, ils ont vérifié déjà toutes les couleurs. Ils ont tout coché. Enfin, tout barré, du moins. Comme sur les autres. Ah, celui-ci, il était comme ça. Voilà. On va le mettre ici. Ah, c'est celle-ci dont je vous parlais. Quand je l'ai vue, ça a fait un peu pareil que Scar, mais en pire. Hop. Je vais pas vous montrer l'image. Et voilà, j'ai eu un gros coup de cœur sur celle-ci. J'adore Maléfique aussi. Bon, c'est pas Angelina Jolie, hein, mais j'ai trouvé l'image super belle, quoi. Elle est trop belle, Maléfique, sur cette image. Et les couleurs turquoise et violet comme ça, pouf, j'adore. Oula, je vous tape dessus. Alors, la feuille de route, avec évidemment les couleurs qui sont différentes. Tout a encore été barré. Est-ce que ça colle super bien? Et puis, les symboles, ça va, ils sont bien visibles. Vous voyez? C'est nickel. Ah, il y a un petit carré qui s'est perdu en chemin. Il y en a même deux, je crois. Ça arrive. Alors. On a un... C'est quoi le numéro? C'est un très très clair, mais qui a des... qui ressemble à du... à du vert, mais très 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 pâle. Hein. C'est vraiment... Mais ça fait... ça fait vert. On a du gris. On a du violet grenat,
Ouais, c'est plutôt grenat, ça, je crois. Du vert. Des violets. On a des beaux, très beaux turquoises, regardez. Ça me fait penser à ma... Pardon. Ça me fait penser à ma toile sirène. Ma grande toile qui est sur le mur. C'est un peu les mêmes couleurs, sauf qu'il n'y a pas de rose. Là, on a des bleus. Du gris. Du bleu ciel. Du vert un peu, ça tire un peu sur le turquoise. Du vert foncé. Un beau bleu là. Et ça, alors, qu'est-ce que c'est? Ça doit être du 939. Il n'y a pas de noir. Contre toute attente, je m'attendais à ce qu'il y ait du noir, mais non. Il y a du bleu marine. Du bleu violacé un peu. Et du 939, vous savez, c'est le bleu, enfin, bleu marine, mais très très foncé. Celle-ci, je suis super contente. Elle a la classe. Hop, et du coup, on arrive à la dernière. Vous voyez, franchement, ils sont vraiment bien protégés, quoi. C'est vraiment top. Et là, j'ai repris un petit personnage que je vous ai dit que je commençais à bien aimer. Que je connaissais pas trop à la base. Mais à force de le voir circuler, à un moment, on finit par tomber sous le charme. De cette petite bête. Et celui-ci. J'ai hésité en fait, à la base j'hésitais entre celui-là et l'autre. Et comme ils étaient différents en couleurs, j'ai dit bon allez hop, on prend les deux et puis basta. Je suis un peu comme ça, moi quand j'hésite entre deux, bah je prends les deux. C'est pas économique mais... Encore la feuille de route. Par contre, là, c'est pas barré. J'ai peur. Est-ce qu'ils... Ils ont peut-être oublié de barrer à chaque fois. Ah, c'est différent. C'est dans des sachets différents, là. Ah, ça, je préfère. Donc, 25 couleurs. Waouh! Ah ouais, ces 5 toiles-là, niveau nombre de couleurs, je suis contente. Pourtant, je m'attendais pas à ça, parce que vu que c'est des 30 par 40, mais pas l'image, je m'attendais à vraiment des images petites et pas trop jolies. Et en fait, pas du tout, quoi. C'est vraiment super beau. Il y a beaucoup de couleurs. Donc celle-ci, elle est sympa aussi. Hein. Avec le petit coucher de soleil derrière. Là, ça va être plus simple à vous montrer. Voilà. Alors, j'espère que je ne vous éclate pas les oreilles. Alors, on a un rose très clair.
Orange. Ça, c'est un vieux rose. Vieux rose. Un vieux violet, je vais dire. Un orange très très pâle. Un rose. Ça, c'est comme celui de tout à l'heure. C'est très très clair et ça tire sur le vert. Ça, c'est pareil. C'est un espèce de vieux rose aussi vieux. Motif violet. Un vieux mauve, on va dire. Là, c'est du bordeaux. Un peu corail, là. Un vieux rose. Là, c'est deux couleurs un peu crème. Couleur un peu peau, en fait. Donc ça doit être pour le sable, je pense. Du bleu ciel. Du bleu un peu plus foncé. Du grenat. Bleu. Encore du bleu. Ça doit être pour Stitch, ces bleus-là. Un beau jaune. Un beau jaune qui pète. Un beau orange aussi. Couleur un peu ocre. Rose. Marron très 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 clair. Orange. Et du noir. Donc celui-ci, 25 couleurs. Voilà pour ces 5 dernières toiles que je me suis prises sur AliExpress. Donc comme je vous dirais, je vous ai dit, je vous mettrai les liens en barre d'infos des 5 toiles, qui avec le vendeur d'ailleurs. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Les toiles, elles coûtent aux environs de 4,85€ à peu près l'unité. Donc ça va, c'est raisonnable. Elles sont arrivées en une semaine. Ouais, une semaine. Donc vraiment super contente. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si une toile vous tape à l'œil, si vous en avez déjà, si vous allez en commander. Et puis voilà, moi sur ce, je vais vous laisser et puis je vais tourner une deuxième vidéo. Donc je ne sais pas celle-ci quand je la posterai, je ne sais pas du tout. Parce que là je dois tourner celle de mon anniversaire, des toiles que j'ai eues pour mon anniversaire. Donc je pense que je vais poster celle de mon anniversaire avant, ce sera un peu plus normal vu que mon anniversaire c'était hier. Donc voilà, je vais déjà poster celle de mon anniversaire, la tourner et la poster. Et puis après celle-ci, je pense qu'elle sortira pas longtemps après. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis moi je vous dis à très bientôt, ciao !